Bonjour à tous et bienvenue sur cette île Kumori. Vous êtes sur la chaîne Olivier Gaming. Ouais, non, mais c'est bon quoi. Je suis en voyage onirique. Je devrais rêver. Et il pleut. C'est quoi cette île où il pleut? Franchement, c'est une idée ça. Une idée? Je vous le demande moi. En plus, j'ai rien vu de l'île. Je sais pas ce qui va se passer. Ce que j'ai vu, c'est Serena là, elle est là. Elle a un parapluie. Moi, je me protège de quoi? De rien. Et voilà, il pleut. Allez, on va y aller, on va voir ce que c'est, ce style. On peut déjà dire bravo pour les motifs, là. C'est bien. Ouais, on verra après, les habitants, c'est bon. Non, t'as mis des fleurs sur la plage, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette idée, franchement? Dommage, parce que t'avais des bons motifs au sol. T'as des bons motifs. Mais c'est perdu. Ouais, t'as mis des tableaux ensemble, cool. Il a fallu que je traverse un... Il y a même pas de pont pour traverser, bordel. Il a fallu que je saute. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est quoi, ce style? Bon, allez, j'arrête là. J'espère que vous n'êtes pas partis en courant. Je voulais me faire un petit délire, genre... ouais, je suis jamais content. Allez, c'était pas mal ce qu'il nous avait fait là. Oh. Je savais pas qu'elle était aussi grande la libellule. Parce que moi je l'ai fait pas en. Alors pour l'instant on va pas dire que c'est merveilleux. Hein. C'est pas mal. C'est agréable. Il y a un passage déjà. Un passage de 1. Vous savez que je préfère les passages de 2. Voilà, voilà. Donc je vous l'ai dit, on est sur une île qui s'appelle Kumori. Et pour l'instant, bah, il propose que des petits passages, des petits coins avec des fleurs. Là, c'était un petit coin de lecture, mais bon, il pleut, qu'est-ce que tu veux que je lise pendant qu'il pleut, bordel? Non, ça y est, mode off sur le mec en colère. On dirait Jean-Pierre Bacri. Tu es mécontent. Bah, je peux faire Stallone si vous voulez, pendant le... il pleut. J'aime pas la pluie. Bon. Bah, il propose que des petits coins. Et en plus, il y a un vent glacial. Oh, salut, t'es qui, toi? En plus, tu me parles même pas français. Non, mais c'est quoi ce délire encore? Ouais, il y a des baraques. Ouais. Ouais. Une jolie cheminée, ok. En plus, ils n'ont pas de terrain, les habitants n'ont pas de terrain. L'île est tout près de l'eau. S'il y a beaucoup de pluie, ça inonde. Et hop, plus de maison. Vous voyez, la pluie, elle va cesser. Rambo, il n'aime pas la pluie, Rambo. Bon alors. Je vais arrêter de faire Rambo aussi. Désolé, hein, je suis parti sur un délire. Ah, mais elle n'est pas toute seule. Ils sont combien sur Steel? Ah non, c'est pas magique. Hein. Non, non, tu confirmes, c'est pas magique. Hein. Je dis pas qu'elle est moche. Hein. En plus, ils nous ont fait croire qu'il y avait une pastèque, là. Alors que c'est pas une pastèque, c'est un ballon. Tu me prends pour qui, franchement? Là, ton canard en plastique, c'est pareil, c'est pas un vrai canard, hein. Je vais jouer à cache-cache par contre. Bon, alors, on va regarder les habitants. Oh, ils sont 3 à jouer. Il y a Beth. Sage. Alors, Beth, je suis près de sa maison, donc on va la faire tout de suite. Sage et Fern. Ils sont accompagnés de Clara, que nous avons aussi sur notre île actuellement. Bichoun, Coco, Matteo, Teddy, Bébé, Léa, Abraham, Pierrot et Irène, que nous avons eu sur notre ancienne île. Allez, on va faire cette première maison. Salut, c'est le retour de Rambo. Je vais parler comme ça parce que j'en ai marre. T'en as marre de quoi? Bah de rien en fait, parce que c'est joli l'intérieur. Non, j'en ai marre de la musique là. Puis en plus, elle a bloqué le chemin pour passer ici.
Donc je peux pas les voir. Je peux pas les voir là. Hein. Heureusement, je peux passer pour aller voir la pièce du fond. J'aime pas cette musique douce. Moi, je veux une musique de hard rock. Ou de rap. Oh, changez-moi ça, bordel. Bon, excusez-moi, hein. Franchement, j'avais envie de délirer sur ce avant-dernier épisode de la saison 3 d'Animal Crossing sur la chaîne. Alors, c'est peut-être pas bienvenu, hein. Vous allez peut-être mal le prendre, je suis désolé, mais moi ça m'a fait rire. Enfin bref, nous sommes sur la deuxième pièce. La pièce du fond, c'est la cuisine, c'est plutôt agréable. Je préfère cette musique-là à celle d'avant. Mais putain, enlevez-moi cette putain de musique de merde! Troisième pièce, et ben là c'est plutôt un coin nature, on se repose, on... Bon, il n'y a pas de siège, d'accord. Ah si, il y en a un. Je dis n'importe quoi, il y en a un. Bon, un siège en pierre à l'extérieur, dans un coin nature, le siège il doit être tout froid du coup. Donc t'as envie que je me gèle les fesses quoi. Ça part. C'est encore... c'est source chaude quand même. Il y a du brouillard. Alors peut-être que notre ami aurait dû rajouter un peu de brouillard supplémentaire. Vous savez que vous pouvez le faire avec la mise à jour. Enfin bon, peut-être qu'il n'a pas la mise à jour, je sais pas. En tout cas, sa porte était très sympa, bien joué. Allez, on va vous visiter autre chose. Bon, salut les amis, c'est à nouveau Rambo. Alors, Rambo, il connaît bien la nature, alors c'est pour ça que c'est lui qui parle maintenant. Alors, j'aime beaucoup la pièce. Pourquoi? Parce qu'on peut se cacher partout. On peut se cacher derrière le pot de fleurs, là. Alors, moi, je peux pas, parce que je suis un personnage qui bouge pas. Mais généralement, moi, je peux me cacher, là. Le vrai Rambo, il peut se cacher. Il peut se cacher partout, derrière là. Il peut se cacher derrière la lampe de champignons. Mais ça n'existe pas les lampes champignons, enfin bref. Je peux me cacher dans le tas de feuilles si je veux. Ok, je peux me cacher partout. Vous avez compris? Bon, excusez-le, je sais pas ce qu'il lui a pris. Oh, abonnez-vous à la chaîne d'Olivier Gaming, c'est bien. C'est pas comme ça d'habitude, hein. D'habitude, il est sympa le gars, mais là, je sais pas ce qu'il a. Ok. En plus, quand je vais écouter ça, quand je vais faire ma rediff, que je vais couper les morceaux, je vais dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est nul! Oh, c'est nul ce que tu as fait !» Par contre, cette pièce, elle est très jolie. Du coup, je vais marrer, hein, parce que je vais dire « Putain, qu'est-ce que c'est nul !» En tout cas, les deux pièces que nous venons de voir, très nature, sont très bien réalisées. J'aime bien la lampe, elle colle parfaitement au thème. Même la lampe champignon, hein, j'ai dit du mal sur la lampe champignon. Comme quoi, ça n'existait pas, mais bon. Là, je trouve que dans le thème, ça le fait. Bien joué pour le masque, je ne l'avais pas vu au départ. Bien joué pour le masque de feuilles. Allez, on s'en va. Voilà, nous avons fini la première et seule maison que nous allons visiter. C'était la maison de paix. Mes souvenirs sont bons. Allez, on repart à l'attaque. Salut, t'es qui toi? Sage. On s'est déjà vu, non? T'as un chouette chapeau, j'aime bien. C'était la deuxième maison ici. C'est très chouette. C'est très nature, hein, je pense. Il faudrait que je revienne sur... à la mairie, mais je crois que si je fais ça, je vais perdre du temps et de l'argent. Non, pas d'argent. Je suis poursuivi par Sage. Aidez-moi. Mais il est où le passage, bordel? C'est la maison de Clara. Youpi tralala. Et elle non plus n'a pas beaucoup de verdure. Et on sait, c'est petit. C'est étriqué. Ils ont des maisons étriquées. Il n'y a pas de terrain. Oh, il y a un chemin secret par contre. Qui nous emmène... nulle part. Oh, puis je me suis coincé.
me suis décoincé, c'est bon. Alors. Voilà, mon seul souci, ça va être ça, c'est le passage. Alors, on a un passage très bizarre, là, parce qu'on est caché pour le voir, pour trouver. Alors, on a fait... C'est vraiment une île très nature. C'est plutôt réussi, hein, faut bien se le dire quand même. Hein. Je déconne pas mal aujourd'hui. Mais j'aime bien son petit coin bibliothèque. Tout petit coin bibliothèque. Oui, moi j'ai fait des grands espaces chez moi et à la rigueur, vous avez peut-être raison, c'est moche. Hein. C'est peut-être moche. C'est sûrement moche. Il me semble qu'il y a un autre coin ici, là. Ou alors, elle a pas assez enfoncé. Ouais, elle a pas assez enfoncé sa maison. Ou alors, elle aurait dû remettre un petit coup de terre derrière, quoi. Dommage. Voilà. Donc là, je suis passé par là. On a vu une maison. Là, c'est la maison de Clara. Mais je suis obligé de revenir sur mes pas pour faire la suite. C'est pas cool. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime bien qu'on puisse faire tout le tour d'un coup. Là, on a très très beau coin. Il manque plus que la table ou un truc au sol, genre un feu de camp. Ça donne quelque chose parce que c'est très très réussi. Alors, c'est dommage, le feu de camp, il est derrière. Il est là. Il aurait fallu qu'il soit ici. Parce que là, on a la plante, le pot qui est très bien fait. Plus le canapé et les chaises. En plus, la couleur est somptueuse. C'est très bien réalisé, bravo. En plus, il y a un petit coin pêche juste là. Très, très bien. Alors, il y a une partie de l'île que je n'ai pas vue. Je crois que je refasse tout le tour. Je devrais être proche. Là, je me suis planté. Je devais faire ça, voilà. Alors, c'est son chemin de 1. Il est quand même très sympa. Hein. J'ai arrêté de déconner. Voilà, je reviens. Oui, voilà. C'est pas une 2.0. C'est une 1.0. Puisqu'il n'y a pas le cassettophone. Donc, du coup, ça limite au niveau des objets. Hein. Donc, c'est une vieille mise à jour. C'est quand même dommage. C'est une vieille île. Il n'a pas été refaite depuis très très longtemps, donc les personnes ont dû arrêter de jouer aussi. C'est triste. Ah, je croyais que j'ai... Ah ouais! Donc déjà, on peut dire qu'il y avait un très bon travail. Parce que malgré tout, à force de voir les autres... faire leur île, et ben on a pu améliorer la nôtre. Là, on avait un chouette coin, et vous voyez, c'est encore un tout petit coin. Je pense que on peut agrandir quand même un peu les coins des habitants, les pauvres. Salut Bambi. Non, c'est pas comme ça que tu t'appelles, je m'en fiche. Salut Léa. Comment ça va? Tu me reconnais? Mais si, on se connaît! On s'est déjà vu sur mon île! Tu fais semblant de pas me reconnaître! C'est pas bien! Je t'aime plus! Voilà! Le potager, ok! Alors, il nous a fait ça de chaque côté! Les petits motifs au sol! Pourquoi pas? Voilà, à l'époque, c'est vrai que pour la 1.0, c'était difficile d'aménager ici, sur les côtés, avec près des rochers. On a beaucoup amélioré la chose, je trouve, avec le 2.0. On a des idées qui sont sorties de la tête des gens, c'est fou. Alors là, je dis pas qu'il n'y a pas d'idées, hein, c'est juste que
par rapport au nombre d'objets qu'on a récupérés sur la 2.0, c'est que retrouver une île 1.0, ça fait un peu... C'est parents pauvres, quoi. En tout cas, on peut dire quand même qu'il y a, vous voyez, par exemple, ça, il peut plus le mettre là, puisque... C'est l'amiral qui vient, là. Il vient juste là. Si tu veux aller voir l'amiral, faut que tu te mettes là. Donc, Ah ouais, voilà, voilà un coin que j'aime beaucoup, par exemple. Très chouette. Très, très chouette. C'est dommage de le gâcher avec des plantes qui n'ont rien à faire là, quoi. T'es pas d'accord avec moi, Irène? Ah, ça, c'était bien aussi. Pourquoi, même avec la 1.0, on avait de bonnes idées, quand même. Là, j'hallucine de passer juste derrière comme ça. Alors, attends, je fais quoi? Je vais par là? D'accord. Ok. Ok. Donc, il me reste un coin à faire. C'est le coin pour aller voir Mélie et Mélo et les sœurs doigts de fée. Vous voyez, pour les sœurs doigts de fée, c'est vrai que on avait ça et ça. Et puis, voilà, que détenu. Bon, la poterie, là, peut-être pas. Peut-être enlever la poterie et mettre autre chose. Ah, la poterie, t'en avais une ici. Tu peux en remettre une là, je sais pas, cachée, là. Au lieu de mettre de l'herbe. En tout cas, voilà, c'était pas mal. Voilà, non, bon, sur la fin plage, c'est pas top, mais bon, on s'en fiche un peu, hein, on a quand même vu plutôt une belle île. C'était plutôt sympa cette île Kumori qui date quand même un peu, puisque c'était des objets de la 1.0. Vous voyez, moi je suis à nouveau avec Serena, donc on va bientôt se quitter. Petit clin d'œil à Lin Lin, hein, qui a dû apprécier que je parle comme Rambo. Ouais, c'est Rambo, salut. Voilà. Oui, je le fais très mal, et alors, je m'en fiche. Allez, on se dit à bientôt. Bonne journée à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Je reviendrai prochainement pour Animal Crossing, c'est promis. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'es pas content? Hé, vous avez remarqué, il pleut plus. Il pleut plus. Serena, il pleut plus. C'est cool, on peut s'en aller.